Antonio. Voilà le petit morve. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens de moi, pas vrai? Hein? Je peux vous aider, monsieur Romulo? Parce que moi, je t'ai pas oublié. Hé, hey, mec, arrête ça! Arrête ça, c'est à moi de me coucher, arrête! Écoutez, monsieur Romulo, je suis juste venu retrouver ma famille, rien de plus. Ah, t'es là pour ta famille? Et t'es toujours boxeur? Bien sûr que je suis boxeur. Justement, j'ai un tournoi à Barranquilla. D'ailleurs, monsieur Romulo, par hasard, vous connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait m'aider à retrouver rapidement ma famille? Bien sûr que si. Vraiment? Tu sais qui peut t'aider? Je peux t'aider. Bon, suivant. Ah merde, toi aussi, t'es boxeur? Non, non, j'en étais un avant. Boxeur vénézuélien, pas vrai? Exactement, enchanté. Ah, ok, bienvenue, mon pote. Comment puis-je t'aider? Eh bien, je viens... pour inscrire mon élève, Antonio Cervantes. Reyes. Kid Pembele. Ah, tu sais quoi, mon pote? C'est bizarre, ce nom-là me rappelle un gars qui était célèbre dans la boxe. C'était l'araignée noire ou je sais pas quoi. Mais il était célèbre pour une autre raison. Ah, mais non, 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 ce gars-là vient d'être bien classé à New York. Bon, très bien alors. Je vais pas t'embêter avec ces histoires. Bienvenue en Colombie et Barranquilla est ta maison. Merci beaucoup. Je te félicite. Bellarmino Plantes, enchanté. Ok, au suivant. Bonjour beauté, comment tu vas? On peut parler? Tu veux quoi? J'aimerais pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé, tu sais. C'est toi qui as couché avec ma femme? Non, non, Don Jérôme. Justement, je suis là pour parler de ça. Non, attends, parce que Jérôme... c'est pas ce que vous croyez. Non, s'il te plaît, je suis un type sérieux, tu moi. T'en vas. Non, je plaisante pas. Et je profite de l'occasion qu'on soit tous là pour vous parler J'ai dit, Jérôme. T'en vas. Mais... Allez, pars, sors de là, mais il t'a dit. Attends, je veux m'expliquer. S'il te fais pas Charles. Va-t'en. Ne me touche pas. Jérôme, chut, sors de là. Jérôme, mon amour. Jérôme, où tu vas? Aurora. Oui? Mauvais. Quoi? Non. Cristobal, ne me laisse pas, on a encore beaucoup de travail. Cristobal! T'es débordé? Oui, ça se voit pas? Et puis pour couronner le tout, Cristobal s'en va et me laisse seule avec cette... cet incendie à éteindre. Tu as raison. Peut-être qu'il te faudrait un nouveau chef. Vous me proposez un travail? Peut-être que tu seras mieux avec moi. Et tu pourras m'accompagner au studio de télévision. Pense-y. Pense-y. Jérôme, s'il te plaît, mon amour. Ne me touche pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Lâche-moi. Va t'envoyer en l'air avec ton petit amoureux. Non, arrête de dire ça, Jérôme, c'était une bêtise ce qui s'est passé, je te jure, regarde-moi. Regarde-moi, avec Chispeo, c'était une erreur, j'étais jalouse. J'étais jalouse parce que toi, tu flirtais avec Carlotta. J'ai parfaitement le droit de flirter. Flirter, c'est pas tromper. Tu sais quoi, t'es plus ma femme maintenant. Dis pas ça, Jérôme. Si, je le dis. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je le dis, tu sais quoi. Écoute-moi, mon amour, chut, s'il te plaît. Je vais dormir dans une autre chambre et demain, tu t'en vas. Tu t'en vas. Je veux plus que tu vives chez moi. Plus jamais. Écoute-moi, Jérôme, s'il te plaît. Je t'écoute pas. Je t'écoute pas. J'en ai fini de t'écouter. Va m'ouvrir la porte. Tout va bien, mademoiselle? Mais où est ma maison? Et ma mère et ma sœur. T'étais pas la copine de Cachao? Ta famille était la première à partir. Ils ont vendu et ils sont partis avec Cachao. Ils vont se faire reloger. Je comprends pas ce qui s'est passé ici. Ah ça, c'était la grosse pagaille, crois-moi. Beaucoup ont vendu et d'autres sont partis de force. Mais quand tout ça a commencé, ils sont partis. Cachao, ta mère, ta sœur et ton neveu. Comment ça, j'ai un neveu? Non, techniquement, pas encore. Mais ta sœur est enceinte. Son ventre commence à pousser. Donc j'imagine qu'elle va bientôt accoucher. Faites que je les retrouve, s'il vous plaît, mon Dieu. Voilà, Antonio. Ils ont été affectés ici. D'accord, et qui est-ce qui affecte les gens? Qui les affecte? Eh bien, tu l'as en face de toi. Je vais voir avec la police s'ils peuvent m'aider à retrouver ta famille. Voisine, est-ce que vous auriez vu Rulia ou ma mère? Les avez vus? Non, je suis désolée. C'est pas vrai.
Hé, hey Antonio, je viens de penser à quelque chose qui peut t'aider. Ouais, dites-moi. C'est un accord d'intérêt réciproque. Tu viens tout juste de me dire que... t'es venu ici pour l'événement de boxe, pas vrai? Eh ben, quelle coïncidence! C'est l'un de mes grands amis qui organise les combats. Je peux parler avec lui. On parie un petit billet sur ton adversaire, tu restes KO, et je m'assure que ta famille trouve un bon endroit. Ah, pas ça, Romulo. Merde, vous cherchez toujours à me faire un coup tordu. Eh, je peux pas m'attirer de problème, alors laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, ok? Mais voyons, Antonio, toi et moi, on a de l'expérience là-dedans. Écoute, y a aucune raison que ça se passe mal. Écoute-moi, tu restes par terre, t'es gagnant, et moi aussi. Hey, mets une place, excusez-moi. Pardon, j'ai besoin de voir quelque chose, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? T'es pas très futé, hein. Si tu remets ne serait-ce qu'un pied dans la pension, Jérôme va te faire la peau. Maintenant, je fais quoi? Dis-moi, où est-ce que tu je vais dormir? Tu vas te mettre à pleurer? Tu vas pleurer? C'est ce qui arrive quand on couche avec la femme d'un autre. Donia Fiorella, tout va bien? Vous l'avez calmée? Ça ne concerne que lui et moi. Carlotta, Jérôme m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Alors je te prie de prendre tes affaires et de partir d'ici. Ok? Chispeao, n'entre même pas. Mais tu me l'avais caché. Toi, tu te tais. Tu te tais. Alors ça, je m'y attendais pas. Dit, tais-toi. Tu vas me faire des bêtises, hein? Julia! Où est-ce que t'es, Julia? Bon, ta famille doit pas être loin d'ici. C'est par là qu'ils ont amené tous les gens de Shambaku. Julia! Endors-toi, ma fille chérie. Endors-toi vite. Avant que ne vienne. C'est bon comme ça? Est-ce que ça va tenir? Regardez encore une fois sur la liste parce que je vois ma famille nulle part pour le moment. Antonio, ça dit quoi ici? Candelaria Cervantes, regarde. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Madame, excusez-moi, est-ce que vous avez vu ma sœur Julia? C'est la petite à Shambaku. Ah non, je l'ai pas vue. C'est pas vrai. Julia! Tonio? Julia! Candelaria! Tonio? Julia! Julia! Tonio! Tonio! Enfin, te voilà! Oh, maman! Bonjour, est-ce que je peux voir la liste? Acosta, Badilla, Cervantes... Candelaria Cervantes, ils sont notés là. Mais où est-ce qu'ils sont? Mais où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ma mère? Écoute, Tabakito, je vais te dire franchement, ici, vous allez pouvoir faire n'importe quel type d'entraînement. Parce qu'ici, on s'assure que tous les équipements nécessaires sont prêts pour que lorsque les boxeurs montent sur le ring, ils donnent tout. Tu comprends? Ah, oui, il leur manque rien. Ah, tiens, tu as devant toi les types et les boxeurs du groupe de Legata de Carthagène. Lui, c'est Florian. Lui, c'est Castor Villa. Tiens, José Roscoe, viens là. Je vais te présenter un entraîneur qui nous vient du Venezuela. Bonjour, Belarmino Clans. Ah, de Caracas. Oui, monsieur. Je suis vraiment enchanté. Voilà. Il frappe fort chez toi, non? Parce que j'ai une de ces envies d'attraper un Vénézuélien, le frapper comme un punching ball et lui démolir la tête. Ah, fais pas attention à lui, il raconte des bêtises. Va là-bas. Allez, t'as entre de bonnes mains. À bientôt. Bon, d'accord, c'est bien, c'est bien. Comment ça va, mon pote? Bien, je vais très bien. Dieu merci, il nous protège. Comment tu trouves alors? Eh bien, c'est pas mal. Les installations sont bonnes, il fait chaud, mais on peut faire une bonne présentation. Ah, c'est ça, oui. Ici, on fait notre maximum pour assurer un bon spectacle. Mon fils, je suis si contente de toi. Maman, je te retrouve. Mais pourquoi tu m'as pas dit que t'allais revenir? Je t'aurais préparé un repas spécial, mon grand. Maintenant, je peux pas. Hé, hey, ma fille, tu sais où on a mis les tourtes qu'on a faites hier? Mais maman... Je les retrouve pas. T'as plus toute ta tête, maman, arrête. Lui parle pas comme ça. Maman, viens par là. Maman, ah, mais on avait fait des tourtes. Ah. C'est quoi cet argent? Touche pas, c'est à moi. Ah ouais? T'as pas honte? C'est l'argent qu'elle a eu en vendant la maison. Ferme ta bouche, toi. Hé, comment ça? Comment t'as pu vendre la maison? Bordel, ça va pas! Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dis-moi ce que j'aurais dû faire! T'es parti au Venezuela et nous ici, on n'avait même plus un sou!
On part d'ici. Et on va où, Tonio? J'en ai pas la moindre idée. Mais on reste pas une seconde de plus. Comme si c'était facile. Viens, maman. Bien sûr, et tu vas refaire la même chose. Ouais, maman. Je vais partir au Venezuela et nous abandonner encore une fois. Tu vas voir. Tout va bien. Tu vas voir. J'en suis sûre. Qui sait où il va nous emmener cette fois? Qu'est-ce qui se passe? Où vous allez? Je vous rejoins. Toi, avance avec maman. Vas-y, Rulia. Ok. Viens, maman. Attendez, Romulo, juste une seconde, d'accord? Et toi? J'arrive, j'arrive. Et toi, mon fils? J'arrive, maman. Je vous rejoins après, je te jure. Allez, avance, Rulia. Avance, avance. Et doucement avec maman. Allez-y doucement. Mais elles vont où? Tu sais, ce quartier a de l'avenir. Écoute, dès que les premières maisons seront prêtes, je m'occupe moi-même de leur en affecter une. Monsieur, ça y est, j'ai la liste. La liste? Attends-moi par ici. T'en vas pas, d'accord? Alors, elle est où, cette liste? Bonjour. Antonio, comment tu vas? Bien, en fait, je venais vous demander si je pouvais vous aider, si vous aviez besoin de quelque chose. De toi? Plutôt mourir, oui. Merci, Antonio. Eh, hey, attends, viens par là. Alors comme ça, il s'est perdu, le crapaud, hein? Non, non. Je suis seulement venu vous offrir un peu de mon aide, rien de plus. Eh, hey, mais attends, t'es enceinte? Ah oui, j'en suis à 5 mois. Ah oui, j'en suis à 5 mois. Arrête un peu de sourire autant. Mais pourquoi t'es encore là, toi? Va-t'en, ou va mourir, c'est encore mieux. Dis à ta mère que je vais loger au Plaza Mar, à Barranquilla. Ah, très bien. Je vais le dire à Carlina. Eh, hey, Antonio, j'ai fait ma part du marché. Maintenant, c'est à toi de respecter la tienne. Il faut commencer à penser au combat. Le combat. Tu sais pas de quoi je parle? Ouais, ouais, le combat. Mais est-ce que tu m'écoutes? Bien sûr, on parle du combat. Oh, Antonio, Julia. C'est très facile ce qu'on va faire, écoute. Fraser brille dans le monde de la boxe. Il semble que Ray Maxwell avait raison et que ce garçon a bien quelque chose et il est déjà classé. Ainsi, Jeff ne perd pas de temps et veut le faire concourir pour le titre mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type-là va affronter Nicolas Roche, l'Argentin, qui a 45 défenses de titre et c'est pour ça qu'on l'appelle l'intouchable. Tu comprends? Continuons. Écoute ça. Ça chauffe sur le ring. De plus, il semble qu'ils vont enfin faire rentrer Mohamed Ali depuis qu'on lui a retiré sa licence. Et personne ne pense que Joe Frazier est un champion légitime. Aurora, plein de choses se passent dans le monde de la boxe internationale. Tu comprends? Mm-hmm. Oui, ça chauffe sur le ring. Oui, mais Cristobal, honnêtement, je veux rentrer chez moi, je suis fatiguée, je crois que j'ai la grippe et la dernière chose que je veux, c'est entendre parler de boxe. À demain. Aurora, la passion, c'est 24 heures sur 24. Ta passion. Entrez, entrez. Hey, pardon, pardon. Maman, t'as vu le lit un peu? Hey, chut, Rulia, c'est bon, fais moins de bruit. Maman, entre, vas-y. Mon fils, c'est si beau. Est-ce que tu vis ici? Non, maman, je vis pas ici et c'est pas à moi. D'ailleurs, il vaudrait mieux que vous ne fassiez pas de bruit, d'accord? Parce que si le gérant de l'hôtel se rend compte qu'on est autant ici, il nous virera. Et on va se retrouver à la rue, alors on reste calme. Antonio, on va pas pouvoir rester ici longtemps, c'est vraiment très très cher. Non, non, on reste ici, ok? Il faudra dire à notre sœur qu'on est là pour qu'elle nous rejoigne. Tu sais bien que Tomasa travaille au port et pour elle, ça va être difficile de venir ici. Il faut qu'elle vienne. Attendez une seconde. Allô? Allô, oui, oui. Vous pouvez me faire une faveur, s'il vous plaît? Voilà, je dois passer un appel longue distance jusqu'au Venezuela. Tu vas appeler qui? Carlina, elle doit savoir que sa famille est là. Oui, je vous donne le numéro, alors. Doña Maria, vous avez vu ma mère? Oui, derrière. Ah oui? Merci. Derrière. Merci. Doña Fiorella? Oui, c'est Antonio. Oui, oui, Antonio Cervantes. Oui, oh, pour l'amour de Dieu. Doña Fiorella, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Et j'aimerais que vous m'aidiez, parce que je suis en appel longue distance. Passez-moi Carlina.
Comment ça? Et elle est où, Carlina? Eh, ma sœur adorée. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Oh, Noria, mais tu es enceinte! Qu'est-ce que tu fais ici, Carlina? T'as disparu pendant je ne sais combien de temps et maintenant tu réapparais quand on vit dans ce fichu trou. Carly, hé, hey, Carly! Eh, mais dis-moi, je savais pas que tu devais rentrer. Ça va, Kachao? Bah oui, ça va, on profite. Ah, oh, maman adorée! Ah, ma fille, et par quel miracle tu es là? Oh, maman, tu sais pas tout ce qui s'est passé au Venezuela, mais le plus important, c'est de vous retrouver. Oui, c'est vrai. Et tu nous as retrouvés ici, vivant la belle vie, hein? Bah alors, elle a fait un sacré voyage pour venir vous revoir, et c'est comme ça que vous la recevez? Tu dois être morte de faim, Carlina. Hé, hey, Lucho! Est-ce que tu peux m'en faire deux, s'il te plaît? Je te les paierai cette semaine. Va te faire de l'argent pour payer. Nour, va donc lui chercher à manger, tu veux, pendant que je vais lui chercher de l'eau. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Antonio! Antonio! Ouais, t'es venu parler, t'entraîner, n'est-ce parler. Pas? Ouais. Ah, c'est bien. Te voilà, Antonio. J'étais en train de te chercher. Pourquoi? Il semble qu'ici, t'es plus célèbre que ce qu'on pensait, en fait. Et pas dans okay. Le bon sens. Comment ça? Dis-moi. Quelqu'un a vu ton nom sur la liste et il a fait la relation avec la double triche. Merde, et c'est qui ce mec? Eh bien, il est... Je l'ai pas vu. Ah, tiens, il va entrer là-bas. Il a passé le pas de la porte, tu vois? Alors, oh, ouais. Je le connais pas, c'est une bonne nouvelle. Bien. C'est bien ça, parce que... C'est préoccupant. Ah, c'est bien. Bienvenue à Curumba, mon ami. Ouais, exactement, tiens. Laisse-moi te présenter Antonio Cervantes Reyes. Antonio Cervantes, à ça votre va, service. Mon pote. Enchanté, Jairo Moody. Le Vénézuélien, ouais, le voilà. Écoute, ravi je voulais te poser une question. Ici, comment on fait? Est-ce que... J'ai une question logistique à te poser. À quelle heure ça ouvre? Le gymnase ouvre toute la journée à temps plein. C'est allez, bien. Viens, je vais te faire visiter, tu verras à quoi ça ressemble. Non, mon pote, en fait, j'aimerais plutôt que vous me montriez où je peux m'entraîner. Et oui, où sont les vestiaires, surtout? Ils sont au fond. Au fond? Ouais, voilà, ils sont au fond. Tu vois, mon pote, ok, bah allez, on se voit plus tard, alors. C'est ça, va y faire un tour et on parlera après, d'accord? Cervantes! Antonio! C'est pas vrai. Antonio! Hé hey. Mon pote! Hé, hey, ça fait longtemps. Ça alors, mon pote, comment ça va? Ça va bien. Et toi alors, dis-moi, elles sont belles les vénézuéliennes? Les vénézuéliennes? Hein? Sérieux, mon pote, on vient juste de se revoir et tu me demandes déjà pour les vénézuéliennes. Ah, tu sais bien, mon pote, ça c'est primordial. Allez, raconte-moi tout, vas-y. Mon pote, j'ai besoin d'une faveur. Sérieusement, Antonio? Tu viens à peine de rentrer, tu t'attires déjà des ennuis, t'es grave. Non, je me suis jamais sorti du pétrin, mon vieux. Mais il faut que tu m'aides, mon pote. Cette fois, c'est une question de vie ou de mort. Antonio, tu sais comment je suis, mon pote. Eh ben, je t'aiderai. Merci, mon pote. De rien. Vraiment. Maman? Oh, maman, tu peux arrêter de m'ignorer alors que je suis là pour vous aider. Et en plus, je t'ai ramené un peu d'argent pour que tu puisses te trouver un petit endroit en attendant d'avoir un travail. T'as pas envoyé un centime depuis un moment, mais là, tu réapparais avec de l'argent. Oh, maman, commence pas. Tu sais, la vie au Venezuela, c'est dur. Mm-hmm. Alors pourquoi t'es pas revenue ici avec nous? Assieds-toi, maman, ok? Maman, le truc, c'est que... Là-bas, je vis avec Antonio et lui et moi, on va se marier. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Antonio et moi, on vit ensemble, maman. T'as vraiment décroché le gros lot avec celui-là, dis donc. Pire mari que lui, tu pouvais pas trouver. Moche, moins que rien et ingrat, celui-là. Maman! Tu sais, il est venu ici pour chercher sa famille. Et nous, rien du tout. Il nous laisse pourrir ici. Il était ici? Bien sûr. Je lui ai dit bonjour. Et je lui ai demandé pour toi. Mais ce gamin, c'est un malpoli, il m'a même pas répondu. Je suis sûre que c'est pas vrai, maman. Arrête d'inventer des choses. Écoute, je suis pas en train d'inventer. C'est moi, ta mère ici. Et moi, je suis la seule à t'ouvrir les yeux sur lui. Mais maman, les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Écoute, Antonio a beaucoup changé. Mmh, bien sûr. Maintenant, il a une idiote qui lui donne ce qu'il veut. T'as dit quoi? Alors, ce que tu voulais, c'était que je sorte avec Cachao, que je tombe enceinte comme il l'a fait avec Noria et que je vive dans un cabanon? Non, maman. Ici, celle qui se fait avoir, c'est toi. Bon, Antonio, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Toute la journée, t'étais comme ça, comme si t'étais pensif, tendu. Allez, Antonio, dis-moi ce qui t'arrive. Non, en fait, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver le courage de te dire ce qui se passe vraiment. Du courage pour me dire ce qui se passe, sérieux? Antonio, t'es vraiment fou, toi. Tu le sais, ça? Je vais me reposer. Non. Tabaco, justement, c'est de ça dont il faut que je te parle. Je veux dire que tu peux pas aller te reposer. Je peux pas aller me reposer? Non. Antonio, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, en fait, tu peux pas te reposer dans la chambre parce que... Parce que, en fait... Il se trouve que dans ta chambre, il y a toute ma famille dans ta chambre. Hein?
Il y a toute ta famille là-dedans. Chut, arrête. Moins fort. Parle moins fort ou ils vont me tuer s'ils le remarquent, d'accord? Tu vois, Tabaco, en fait, dans ta chambre, il y a ma mère, Julia, Candelaria et moi. Donc bon... Oh non, c'est pas vrai. Si. Ne dis rien, d'accord? Aurora, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Bon, tu sais très bien qu'hier, je ne me sentais pas bien, et pourtant aujourd'hui, je suis là. Ah ouais. Excusez-moi, Sa Majesté, merci à vous d'être venu travailler. Commence pas, s'il te plaît, parce que je ne suis pas une esclave. Moi, je dors, je mange, j'ai aussi une vie. Écoute, Aurora, tu sais, ici, on se débrouille par soi-même, et ce travail, c'est comme ça. Alors, s'il te plaît, arrête d'arriver en retard, car c'est pas la première fois. Tu sais quoi? Justement, j'aimerais discuter avec toi. De quoi? Cristobal, je suis fatiguée. Je pense que j'ai besoin de faire d'autres choses, de voir d'autres choses. Écoute, t'as seulement besoin de travailler. Travailler et travailler, tu comprends? Et tu pourras te reposer quand tu seras morte. Ah oui? Oui. Mais tu as raison. J'ai pas dit que j'allais pas travailler. J'ai parlé avec Don Luis. Ah oui, et de quoi? Tu me pardonneras. Mais je peux pas continuer à travailler comme ça, Cristobal. On a un rythme vraiment trop brouillon. Ah, d'accord. Mais dis-moi une chose. Qu'est-ce que t'es allé lui dire à Don Luis, hein? Qu'est-ce qu'a à voir Don Luis avec tout ça, dis-moi? Tu m'as dénoncé? Non. Non, je lui ai juste dit que je voulais plus travailler avec toi. Alors à partir de maintenant, je travaille avec lui. Avec qui? Avec monsieur. Je voulais juste la permission de notre supérieur avant de venir t'en informer. Écoute, Aurora, crois pas que je vais tomber dans ton petit jeu, ok? Parce qu'avec moi, t'as grandi comme un palmier et tu tomberas comme une noix de coco. Mais qu'est-ce que t'as, Cristobal? Tu penses que le fait de ne pas travailler avec toi, ça va me tuer? Tu sais quoi? Tu peux aller travailler avec qui tu veux et tu peux même partir. Eh bien, je m'en vais. Je t'en prie. Je m'en vais. Regarde-moi bien. Au revoir. Ciao. C'est pas vrai. Bon, je vous l'emprunte 2 secondes. Ok, maman, je reviens. Reste avec elle, d'accord? Il revient, juste maman. Là. Après, je vous le rends. Reste là, maman. Antonio, viens là. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? On va pas pouvoir s'entraîner. Je sais, mon pote, mais je voulais pas prendre le risque qu'on les voit toutes à l'hôtel. Donc voilà, on est tous là maintenant, alors faudra faire avec. Bon, je sais que c'est compliqué, je te comprends, je me rends compte. Bonjour, messieurs. Allez, on se rapproche. J'ai une information. Attendez là-bas, ok? Antonio, c'est ton ami de Carthagène. Chut, Julia, tu peux pas dire Carthagène ici, ni même y penser, d'accord? Va rejoindre les autres là-bas. Et reste-y, d'accord? Tu bouges pas. Dehors, vous allez trouver les listes des premiers combats, ok? Alors le premier combat qui aura lieu sera entre le Samario Castor Villa et le Vénézuélien Antonio Cervantes. Vous ne pouvez pas élever un enfant en vivant dans des conditions pareilles. Tu as fait faillite, Cachao. Et ici, tu ne peux pas faire tes combats. Carlina, tu crois que je sais pas la situation dans laquelle on est? Dis-moi, tu crois vraiment que ça me plaît de vivre ici? Tu sais bien que je suis pas habitué à ça, moi non plus. Mais là, j'ai qu'une seule option. Et cette option, c'est la maison préfabriquée que va nous donner la mairie. Et c'est pour ça que j'ai parlé avec une de mes amies, dans le Cabildo, pour qu'on soit parmi les premiers. Oh, Cachao, tu sais que ces maisons sont bien trop petites et vous ne pourrez jamais tous y vivre, hein? C'est exactement ce que j'ai dit à Cachao. Il doit nous trouver une maison plus grande pour qu'on y habite tous. Alors dites-moi, madame, où est-ce que vous voulez que je trouve une maison plus grande? Dites-moi où ça? C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de se plaindre tout le temps de la mauvaise situation. Mais moi, madame, j'en ai jusque-là. Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à trouver un autre endroit ou alors un autre pigeon. Et fais attention, Cachao. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu n'as pas le droit de parler comme ça à ma mère. Et toi alors, tu parles pas comme ça à mon mari. Il a aucune obligation envers personne. Oui, c'est ça. Vas-y, défends ton mari et après tu verras qu'il va mal te traiter. T'es venue pour nous gâcher la vie ou quoi? Pourquoi tu vas pas rejoindre Antonio à l'hôtel Playamar ou je sais pas quoi, à Barranquilla? Eh bon, allez, ça suffit, vous deux, là. Arrêtez de vous battre et terminez de préparer la soupe. Nour, d'où est-ce que tu sors ça? Tu devrais partir et nous laisser en paix. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Et je suis sérieuse, ok? Je vais chercher de l'eau. Antonio, t'as même pas encore commencé ton entraînement. Tu comptes continuer à regarder là-bas? Ta sœur est assez grande maintenant, ok? Concentre-toi sur la boxe. C'est ça qui va sortir ta famille des ennuis. Antonio, sois concentré.
Allez, 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 on n'a pas toute la journée. Deux coups directs. C'est ça. Bien, deux directs. On va faire une pause, on fait une pause. Bien, c'est bien, Antonio. Eh, dis donc, tu t'es amélioré, Antonio. Mon pote, doucement avec ça, j'étais au Venezuela, ok? Ouais, c'est ça, maintenant tu te comportes comme un mec de là-bas, tu te prends pour un Vénézuélien et tout. Eh, hey, Orozco, mon pote, je me suis attiré des ennuis, tu comprends? Antonio, tu sais quoi? Si tu te fais prendre, tu ne pourras plus jamais remettre un pied ici. Et contre Castor Villa? Castor Villa? Ouais. Eh bien... Je pense que je vais mettre un bon billet sur Castor Villa. T'es fou, ils ont pas la même carrière, et tu vois pas que le Vénézuélien est beaucoup plus lourd et mieux classé que l'autre? Non, je te parle pas de carrière et tout ça. Je connais le style de Castor Villa et celui du petit gamin. Et il sera au sol avant le 8e round, j'en suis sûr et certain. Tu fais ce que tu veux, c'est ton argent après tout. Bon allez, à plus tard. À plus tard. Faites pas cette tête non plus. Et puis c'était pas si mal, surtout pour une première fois. Je rêve, pour une première fois. Elle est passée où, celle qui se dit être experte? Faut pas exagérer, hein. S'il vous plaît, dites-moi à quelle heure on va au stade demain. On va aller nulle part demain. Toi, demain, tu vas au journal et tu travailles. Est-ce que c'est bien clair? Mais pourquoi? Vous allez me juger sur un essai? Oui, parce que je le peux et je le fais. Parce qu'en continuant ainsi, on ne nous accordera même plus un seul entretien, t'as compris? Sérieusement, vous y allez tout seul demain? Ça ne vous est jamais arrivé à vous? Non, jamais, non. Et tu as intérêt à arriver tôt, c'est clair? J'espère que tu profites bien du spectacle. Peut-être, mais pour dire vrai, j'aime pas te voir comme ça. Ça se passe mal? Non, ça se passe pas mal. Ah? C'est tout simplement une sale journée. Tu sais pourquoi il y a des jours comme ça? Il faut travailler en équipe, tu vois? Écoute, Cristobal, je remarque que tu as beaucoup de travail. Alors perds pas ton temps. Allez. Et je te souhaite une très bonne journée, hein? Merci. De direct, allez. Bon, dans l'exercice d'aujourd'hui, tu vas reculer avec 6 directs. Pour que t'aies le contrôle de ton corps et que tu puisses attaquer ou alors sortir comme tu l'as fait. Allez, 6, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, saute. Très bien, Antonio, très bien. Antonio. Enchanté, je suis Romulo Valdez. Eh, hey, comment ça va, Bellarmino Plans? Va là-bas, je dois discuter avec lui deux secondes. Le plan se poursuit. Ta famille va avoir une sacrée maison avec un jardin et tout. Ouais, mais parle-moi toi, fort. La seule chose que tu dois faire... C'est te battre avec Castor jusqu'au 6e round. Et puis tu te couches. Eh, mais tu fais ça naturellement. Parle-moi fort. Pas comme l'autre fois, hein. Pas comme ton petit sketch de l'autre fois. Excusez-moi, vous parlez de quoi? Laisse-le, c'est notre gars. Écoute. Tu te laisses faire face à Castor Villa. C'est tout, rien de plus. Et c'est une bonne chose que ton entraîneur puisse t'aider, tu sais. Excusez-moi, mais... Et comme ça, je on gagne Je suis pas d'accord, ok? C'est quoi ça, Antonio? C'est quoi? C'est quoi? Non mais vous êtes fous! Vous êtes fous! Hein? Je suis pas votre guignol! Je compte pas faire ça! Ah, ça y est, le Vénézuélien fait son petit chef. Viens, viens là. Viens là, Antonio. C'est très simple. Ta famille a une maison. Et si tu fais pas ta partie du plan, je vais aller raconter à tout le monde ton histoire de double triche. Et je vais leur dire que t'es encore plus colombien que nous tous. Alors c'est une décision facile à prendre. N'est-ce pas, compatriote? Hein? Eh, hey, salut Carly, t'as besoin d'aide? Non, c'est bon, laisse. Allez, laisse-moi t'aider. C'est bon, je peux le faire. Bon, ok. Carly, j'aimerais te poser une question.
Est-ce que c'est vrai ce qu'a dit Noreya, que toi et l'autre, là, Antonio, vous êtes ensemble? Oui. Et on va se marier. Vous allez vous marier? Quand ça, exactement? Bientôt. On n'a pas encore choisi la date. Ah, eh bien, j'imagine que si vous avez pas de date, c'est parce qu'il n'a pas encore fait sa demande, hein? Mais toi, alors, pourquoi tu l'as fait pas, Carly? Avec moi, t'étais déterminée. Et moi, je voulais vraiment me marier avec toi. Je t'ai donné la bague et tout ça. On avait juste à se fixer une date et voilà. Et tu savais que je t'aimais de toute mon âme, Carly. Et que je t'idolâtrais et que j'aurais donné ma vie pour toi. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça à moi? Hein? Bébé, tu sais que tu es l'amour de ma vie, Carlina. Ah oui? Oui. Ça alors? Et c'est pour ça que t'as mis ma sœur enceinte. Ma belle, écoute, tu sais que cette histoire avec Noreya, c'était juste un accident. Tu sais qu'elle aime bien flirter et qu'elle me court après et tout ça, mais Carly, moi je n'ai Dieu que pour toi. Ciao. Carlina, tu pars d'ici. Calme-toi, Noreya, calme-toi. Je t'ai déjà dit, où était ton mari, Noreya, non? Lâche-moi, Noreya, lâche-moi. Viens là, bébé, je vais t'expliquer. Viens, il y a une explication à tout. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Eh mec, attends, calme-toi. Assieds-toi juste une minute, d'accord? Je t'explique. C'est hors de question que je soutienne votre truc, ok? Ouais, je sais, Tabaco, je sais que tu soutiens pas ça, mais écoute-moi. Écoute, ce type-là, il me donne pas vraiment le choix, d'accord? Il a dit que si je me couche pas au sixième, il dit à tout le monde pour la double triche. Je suis foutu, mon pote. Et ma famille, alors? Je peux pas m'amuser à les trimballer d'un endroit à l'autre comme ça. Je dois être avec ma famille. Il y a une maison pour eux. Je fais quoi, Tabaco? Alors, dis-moi, je fais quoi? Bon, écoute, Antonio, la décision que tu vas prendre va définir ton futur, d'accord? Comme boxeur et comme personne. Si tu te bats comme un homme, ou si tu restes par terre. Donc voilà, je sais pas, mais ça va définir ta destinée, ta carrière, ok? Et ton intégrité. Retranscris tout avant que je revienne. Il m'énerve. Bien, tu sais comment ça fonctionne, tout ça, Delia. Tu travaillerais avec moi dans la salle de rédaction où on écrit les nouvelles. Oui, oui. Non, t'en fais pas. Ici, tu seras accueilli comme à la maison, mais tu dois travailler dur. Tu sais comment ça fonctionne. Super. Alors, je t'attends demain matin pour commencer. Ça marche. Ok. Bien. Ciao. Ciao. À ce que je vois, t'as pas perdu de temps. T'es jalouse? Moi? Non, pas du tout. Et puis tu ne trouveras jamais personne qui puisse te supporter. Ah, encore une sale journée? Viens, on va prendre un café. Viens, viens, viens. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui? Dis-moi. Pour moi, tout se passe mal. Et honnêtement, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai été attentive, aimable, extrêmement polie, tout et rien. Ah, Aurora, c'est justement le problème. Les joueurs de baseball sont des personnes très différentes des boxeurs. Merci. C'est pour ça. Non. Un homme reste un homme. Qu'il porte un uniforme, ou qu'il ait un short, qu'il ait des gants de boxe, ou qu'il ait une batte. Merci. Tenez. J'ai ça pour vous. Écoute. C'est une chose d'être un joueur de baseball qui sait qu'il joue un match et qui d'un coup frappe la balle. Mais c'est autre chose d'être un boxeur qui sait qu'à chaque fois qu'il monte sur le ring, il va se prendre des coups. C'est la différence entre les deux, tu vois? Pourquoi tu fais cette tête? C'est juste que j'étais plus enthousiaste quand je travaillais avec toi. Bon, écoute, j'aurais tort de te dire que je veux te récupérer parce que ce serait laisser faire mes envies. Et puis bon, ça n'aiderait personne. Montre-lui que tu peux le faire. Montre-lui que tu es bonne. Que tu es plus que qualifiée. Allez!
Carly. Un trésor. Carlina. Rolia, viens là, qu'est-ce que j'ai dit? Viens, oui, viens. De pas sortir. Carlina, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, j'ai appelé la pension et t'y étais pas. Antonio, j'ai failli pas pouvoir entrer. Eh bien, je suis venue voir ma famille et... Et je voulais aussi voir comment allait la tienne. Elle est là, on est tous là, on fait ce qu'on peut. Et... Ta sœur t'a dit que j'étais là-bas, qu'on s'est vus. Je te promets que j'ai essayé de les aider. J'ai parlé avec ta mère, mais tu sais, elle était désagréable et elle m'a pas répondu. Elle m'a laissé tout seul. Eh bien, ils sont là où ils veulent être. Je veux plus penser à ça. Mmh. Et tu vas faire quoi maintenant, Carlina? Comment ça, ce que je vais faire? Eh bien, je vais rester avec toi. Je croyais que j'étais ta famille. C'est parce que tu m'as dit au Venezuela. Ou peut-être que... Je suis ta famille, juste quand il te reste de la place. Non, qu'est-ce que tu dis, Carlina? Tu es ma femme. Tu restes avec moi où que je sois. Dis pas ce genre de choses, ça me blesse. Allez, entre. Je t'en prie. Mets-toi avec Rulia. Tiens, donne-moi ton sac. Tu restes là avec Rulia. On verra après ce qu'on peut faire. Et tu peux me dire ce qui s'est passé ici? Comment ça, monsieur? Je comprends pas la question. Eh bien, t'as pas terminé de rédiger les articles que je t'ai laissés. Non, mais vous voyez bien qu'il y en a une tonne. Et tu viens me dire ça maintenant tranquillement. Tu savais qu'il me les fallait pour aujourd'hui. Non, je ne savais pas qu'on allait les publier aujourd'hui. Maintenant, tu le sais. Et tu as une heure. Autrement, tu travailles plus avec moi. Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin d'une heure. Parce que j'ai décidé de démissionner. Esclavagiste. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à tous à la Puerta de Oro de Colombie, Barranquilla, au deuxième tournoi le plus important de la Ligue des Amériques et de l'Atlantique. Aujourd'hui, dans la catégorie Welter Junior, avec 63 kilos, notre boxeur local, Castor Villa, contre le Vénézuélien, avec 63,5 kilos, Antonio Cervantes, Kit, Mbélé. Ça promet d'être une très belle bataille entre deux nations. C'est à ne pas louper. Que le spectacle commence. Allez, venez. Messieurs, je veux voir un combat propre. Surtout pas de coups bas. Allez, vous pouvez vous saluer. Boxez. Jérôme, il faut qu'on parle. J'ai absolument rien du tout à te dire. Sauf si tu viens pour me dire que tu pars enfin de la maison. Mais sache que je ne compte pas partir de la maison. Cette maison est aussi la mienne. J'ai travaillé très dur dans cette pension. Pendant tout le temps que t'es parti en vacances, voyager, à faire je ne sais quoi. Cette maison est la mienne, je l'ai achetée avec mon Elle argent. Elle est à nos deux noms. Tu veux plus me voir? Merveilleux, parfait. Tu as deux options. Je t'explique, tu m'achètes ma part ou tu t'en vas. Allez, allez! C'est ça! Allez, continue! C'est ça, oui! Allez, ça. Ouais! Mais arrête de baisser ta garde! Sors des cordes! Allez, sors des cordes! C'est ça, oui! Joue là! Qu'est-ce que tu fais, Antonio? Maman, il faut que tu manges. J'en veux pas.
Maman, il faut que tu manges. Dis, j'en veux pas, c'est pas bon. Bon, allez, on n'a pas toute la journée, maman. Je veux pas, c'est pas bon. Arrête, je veux pas. Je commence à en avoir marre. Ah, madame, c'est fait. Il faut pas faire ça. Pourquoi? Vous n'aimez pas le repas? Hein? Parce que c'est pas bon, Carly. Je veux une tourte au porc. Mais c'en est une, elle est juste ouverte comme ça pour refroidir. C'est vrai? Oui, regardez. Ouvrez la bouche. Ah bah c'est bien ça! Tu acceptes quand c'est une étrangère? Mais pas ta propre fille, non? Et puis sache que c'est pas de la tourte, ok? Mais c'est bon. Candé, où tu vas? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que tu le tenais, hein? T'es distrait. T'es complètement à l'ouest, c'est pour ça que tu t'es pris le premier coup. Concentre-toi. Antonio, regarde-moi, d'accord? Regarde-moi. Ce gars-là, il n'a pas le même niveau que toi. Et de grandes choses t'attendent. Alors s'il te plaît, mets le KO. Assomme-le. J'en veux plus, ma fille. Bon, Donia s'est fait, reposez-vous, je vais me doucher. Allez. On n'a pas d'huile. Il faut aller acheter de l'huile pour faire les tourtes. De l'huile. Frappe-le, allez! Sors de là, allez! Tu fais quoi, Antonio? Sérieux? Dans vos coins! Allez, donne-le tabouret, donne-le, allez! C'est bon, oui, c'est bon, ça suffit. Vas-y, essuie-le. Antonio, comment tu vas regarder ta famille dans les yeux quand ils sauront que t'as triché encore une fois? Tu diras quoi à tes futurs enfants? Tu mentiras? Me saoule pas, Tabaco. Je fais comme toi quand tu pouvais pas monter sur le ring, mais que tu l'as fait. T'étais pas censé remonter. Il a dit quoi, le docteur? Me saoule pas! Mon pote, tous les jours, je paie les conséquences de mes actes. Mais maintenant, je les paie, tu sais? Mais toi, Antonio, dis-moi quel prix tu es prêt à payer. Pense-y, ok? Boxer! Tu vas regarder ta famille dans les yeux quand ils sauront que t'as triché encore une fois. Tu diras quoi à tes futurs enfants? Termine-le! Attention!
tes ennuis avec ce mafieux. 6, 7, 8, 9. C'est bon, vous pouvez continuer. Termine-le.